بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي ميدات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتألق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تقدم إليكم دائما كل ما تحتاجونه من دروس الدعم في اللغة الفرنسية ومادة الرياضيات، سواء بالنسبة للتعليم الابتدائي أو الإعدادي. هذه القناة التي تطلب منكم وهذا فضلا وليس أمرا المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إذا لم تفعل الجرس فإن الدروس لن تصلكم، وهذا هو المهم. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات عبر الكومنتير والبارتاج ديال هذا الفيديو لكي تعم الفائدة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très 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 bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter toujours une nouvelle leçon de mathématiques. Cette fois, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM1, 4e année, enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM1, la leçon 11, les multiples et les diviseurs d'un nombre, la page 34. Page 34, manuel de l'élève. Bien, alors nous avons les objectifs de la leçon: reconnaître les multiples et les diviseurs d'un nombre. Mais elle est facile. On va faire un kawasim bien wahdaïda. Qu'est-ce que c'est? Reconnaître les critères de divisibilité par 2, 3, 5. Alors ici, il faut reconnaître quand est-ce un nombre est divisible par 2, est divisible par 3, est divisible par 5, est divisible par 1. Donc ce sont des règles à apprendre par cœur. Bien. Alors, calcul mental. Premièrement, calcul mental, alors que le professeur, toujours, il commence sa leçon par un calcul mental, et c'est le professeur qui choisit le calcul mental qui convient, ça dépend de la leçon. Pourquoi? Parce que le calcul mental, c'est une mise en train à une nouvelle leçon, bien c'est un rappel d'une leçon précédente, etc. Multiplié par 10, par 100 et par 1000. Alors, la règle dit, pour multiplier un nombre par 10, ce nombre-là, je lui ajoute 0. Pour multiplier par 100, ce nombre-là, je lui ajoute 2 zéros. Et pour multiplier par 1000, ce nombre, je lui ajoute 3 zéros. Par exemple, dire 58 multiplié par 100. Donc, j'écris 58, voilà. Et j'ajoute 2 zéros. L'élève, il écrit 5800. Voilà le nombre 58. Et voilà 2 zéros de 100. Donc ça va donner 5800. Et ainsi de suite pour 1000, pour 10, etc. Deuxièmement, construction des concepts. Utilisez les tables de septembre pour trouver la loi multiple de 6 supérieure à 30. La loi multiple de 8 supérieure à 40. Donc voilà la table de multiplication de 6, voilà les multiples. Voilà la table de 8, voilà les multiples. Alors, 1 fois 6, 6, 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, 5 fois 6, 30, 6 fois 6, 36, 7 fois 6, 42, 8 fois 6, 48. 1 fois 8, 8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24, 4 fois 8, 32, 5 fois 8, 40, 6 fois 8, 42, 5 fois 8, 56, et 6 et 8 fois 8, ça va donner 64. Donc voilà la règle, voilà la table de multiplication. Donc je passe. Alors ici, les multiples de 3, les multiples de 3, hein, supérieurs à 30. Quels sont les multiples de 3 supérieurs à 30? Voilà 30. Alors quels sont les multiples qui sont supérieurs? Ça va donner 36, 42, 48. Donc voilà. 36, 42, 48. Les multiples de 8 supérieurs à 40. Voilà les multiples de 8. Donc nous avons supérieurs à 40. Voilà 48, 56, 64. Donc voilà 48, 56, 64. Donc voilà les multiples de 3 et les multiples de 6 et les multiples de 8. Les multiples de 6 supérieurs à 30, les multiples de 8 supérieurs à 40, selon la table de multiplication ici, selon
l'attaque d'une limitude de 6 et limitude de 8. Mais je passe à notre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, 72 est-il un multiple de 6? Point d'interrogation. Est-ce que c'est un multiple de 6? 72. Alors, pour savoir, il faut le décomposer. Je décompose 72 en une somme de 6. Par exemple, 72 égale à 60 plus 12. 60 égale à 6 fois 10. Et 12 égale 6 fois 2. Donc, 72, c'est un multiple de 6. 62 est-il multiple de 6? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a décomposé en une somme. Et voilà, égale 6, 60 plus 12. 12, 62 égale 6 fois 10, ça va donner 60. Plus 6 fois 2, ça va donner 12. 12 plus 60 égale 72. Trouve deux multiples communs à 6 et à 8. Alors, voilà les multiples de 6. Les multiples communs. Deux multiples communs. On va essayer de trouver deux multiples communs. Nous avons 48, 48. Et nous avons 24, 24. Donc nous avons, voilà. Voilà deux multiples. 24 et 48. Voilà 48, voilà 48, voilà 24, voilà 24. Ce sont deux multiples communs. Moudaaf et Mouchtaraki. Quel est le plus petit multiple commun de 6 et 8? Le plus multiple commun de 6 et 8. Le plus petit multiple commun de 6 et 8. Allez, je vous mets là 12. Le plus petit multiple commun ou 24. Le plus petit multiple commun ou 24. Et maintenant, je 12, maintenant, je 8, maintenant, 6. Donc, 24. Le plus petit multiple commun à 6, c'est 24. Voilà. Quel est le plus petit multiple commun de 4 à 6? Alors, nous avons les multiples de 6, les multiples de 4, et voilà. 0, 4, 8, 12, etc. Hein? 16, 20, etc. Alors, le plus petit multiple commun de 4 et 6, alors pour 6, nous avons 12, et pour... Alors, il n'y a pas 6, donc il n'y a pas 6, donc on va partir à 12, donc c'est 12. Donc voilà 12, et voilà 12. Donc c'est le plus petit multiple commun de 6 et 4. Le plus petit multiple commun de 6 et 4. Voilà, je passe à notre tableau. Bien. Quatrièmement, 3 est un diviseur de 12. Car 3 c'est un diviseur de 12. Mais la trace, principe bien plage. C'est-à-dire que c'est l'âge, mais il y a 12 qui sont à la 3, ça t'attire à 4. 4, on pense que ça t'attire à 4. Dans notre langue, ça t'attire à 4. Et dans 3, c'est un diviseur de 12. Cherche tous les diviseurs de 12. Alors, pour écrire, pour chercher les diviseurs d'un nombre, il y a un nombre qui est 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 un nombre. On écrit le nombre sous forme d'un produit. 12 égale 1 fois 2. Je commence par 1. Non, pas 0. Attention. 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4. 4 fois 3, donc c'est déjà écrit, je n'ai pas la peine de répéter. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 6, 8. Voilà, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ce sont les diviseurs de 12. Cherche les diviseurs de 18. Alors on écrit le second d'un produit, 1 fois 18, 2 fois 9, 3 fois 6. Donc nous avons 1, 2, 3, 6, 9, 18. Donc voilà les diviseurs de 18. Alors, quel est le plus grand diviseur commun? Le PGDC, le plus grand diviseur commun. Donc, l'abréviation. Le P, le plus G, grand des diviseurs, C commun. Je convois Akbar, le plus grand diviseur, le Qasim Mouchtarak Akbar. Je convois Qasim Mouchtarak Akbar, directement Tash ou Tnash. Ranchoufou, le Qasim Mouchtarak Akbar. Un juge, un atlasa. Qasim Mouchtarak, quoi? 6. Ok, je vais dire un Tnash, un Akbar. Donc, 6 fois. Qasim Mouchtarak Akbar. Activité de mathématisation, je ne sais pas, allez, bien. Écrire les 6 premiers multiples de 3. Écrire les 6 premiers multiples de 5. Il y en a un exbo. Sta, il y a le Moudaafat, l'Ola, il y a le Tlaza. On exbo Sta, le Moudaafat, l'Ola, il y a le Tlaza. Il y a un exbo, le Moudaafat, l'Ola, nous sommes mis en. Bien, je termine l'explication. Alors ici, nous avons l'exercice numéro 4. Ici, nous avons l'exercice numéro 5. Voilà, l'exercice numéro 5. Les 6 premiers multiples de 3, 100.
0, 3, 6, 9, 12, 15. Les 6 premiers multiples de 5 sont 0, 5, 10, 15, 20, 25. Le plus petit multiple, au même du manard, le monde a fait le chasseur avec le masra, ou à 15. Pour savoir si c'est un multiple de 4, décompose 56 en une somme de multiples de 4. Alors, si 56 égale 10 fois 4, c'est 40, plus 4 fois 4. Alors, si 56 est un multiple de 4, oui, c'est un multiple de 4. 4 c'est un multiple de 4, 40 c'est un multiple de 2. Donc, le nombre c'est 56, c'est un multiple de 4. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé au contenu de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.